À l'ouverture des marchés aujourd'hui, l'indice du S&P Dow Jones devait ajouter 1999 actions à ses repères mondiaux et amener 25% de facteurs d'inclusion. Les actions A de 147 entreprises à forte capitalisation, de 251 entreprises à moyenne capitalisation et de 701 entreprises à petite capitalisation provenant principalement de 5 secteurs, y compris le secteur banquier, financier, des aliments et des boissons, de la médecine et de l'électronique. Au niveau de l'inclusion partielle à 25%, les actions A de la Chine devraient représenter 6,2% de la pondération dans les indices de S&P Emerging BMI. Le marché des actions A de la Chine a été dominé par les investisseurs locaux pendant très longtemps, mais tandis que les actions A sont incluses dans les repères mondiaux, la présence institutionnelle mondiale et la participation dans le marché mondial seront augmentées. En revanche, du point de vue d'un investisseur au niveau mondial, il a hâte de voir la Chine représentée de façon précise pour mieux comprendre la pondération de son marché. Lundi, le RTSE Russell a également accru la pondération des actions A dans ses repères mondiaux, passant de 5 à 15%, et inclut 87 nouvelles actions constitutives A. Cette décision marque la deuxième étape de l'inclusion des actions chinoises à ces indices. Le RTSE Russell a ajouté la première fois les actions A de la Chine à ses indices en juin dernier. 1997 stocks chinois, c'est-à-dire 20% des actions A, ont été ajoutées aux indices. 40% devraient être ajoutées en mars prochain. Pour cette première étape, nous allons inclure un peu plus d'un millier d'actions d'entreprises à forte, moyenne et petite capitalisation. Le facteur d'inclusion des deux grands compilateurs d'indices d'investissement devra amener quelque 5,1 milliards de dollars de capital sur le marché des actions. Selon les analystes, le capital étranger continuera d'affluer dans le marché des actions A, tandis que les repères mondiaux largement surveillés commencent à inclure davantage d'actions chinoises.